comme je te dis, je suis parti avec. Moi, je pense que c'est pas un mix des deux. Cette idée-là. Mais. Un mix des deux aussi. Je pense qu'il y a un mix des deux. Un, pas nécessairement. Et l'autre, il y a peut-être une meilleure recommandation de lien à faire. C'est que tu as toujours des recommandations. Si t'as telle affaire, tu peux écouter. Mais les autres, là, vous écoutez, moi, j'écoute la radio. Je suis pas une bonne référence. J'écoute la radio. Moi, j'écoute pas une musique, mais il y a des playlists. Il y a du francophone dans vos choix. Honnêtement, vous voyez, c'est ça. Bonjour tout le monde, comment ça va? Hey, une belle petite gang après-midi. Gênez-vous pas tout le monde pour commenter? Commenter, tapoter, partager? Comment ça va aujourd'hui? Regardez le live de quel endroit? Moi, je suis présentement dans la ville de Québec. Je suis en route pour aller me chercher un café. Et après ça, ben, je vais me rendre au travail. Je travaille de 15h à 23h aujourd'hui. Comment ça va tout le monde? Encore une belle journée aujourd'hui. Hein? Ah, il faut en profiter. Moi, c'est le 10 novembre que je fais installer mes pneus d'hiver. Après ça, selon moi, la neige va commencer, mais je suis pas pressé pour ça. Hein? Je suis quand même un gars d'été. Encore du beau monde dans le chemin. Aujourd'hui, gênez-vous pas, écrivez un petit quelque chose dans les commentaires, gênez-vous pas. C'est compliqué, votre meilleur partenaire, c'est Axis et sa division EQT4. Avec EQT4, fini les mots de tête. Il vous offre un service clé en main. Des professionnels agréés qui vont effectuer avec vous toutes les étapes de l'exercice d'équité salariale. Et en plus, c'est EQT4 qui se font garant auprès de la CNESST. Faites comme des milliers d'entreprises au Québec. Contactez Axis. Le Palais Montcalm me présente la série Les coups de cœur de Madame Bellé. Appréciez des concerts d'artistes de renommée dans la grande salle Raoul-Jobin et faites ensuite place à la découverte en sirotant un verre dans notre lounge feutré et chaleureux. Des artistes émergents de qualité vous y présenteront gratuitement du matériel original. Découvrez entre autres la chanteuse Bermuda en après-concert du spectacle d'Or Novembre le 17 novembre prochain. Les coups de cœur de Madame Bellé, c'est... Allez-y tout le monde, gênez-vous pas pour partager le live. Partagez, tapotez, commentez. Moi, il me reste une lumière en avant de moi, puis après ça, je vais aller chercher mon café au Tim Hortons. Après ça, direction de travail. Que voulez-vous? Pas le choix. Si je veux être payé, il faut que je travaille. Pour offrir la proposition de consommateur qui vous donne l'opportunité de payer vos dettes en montant mensuel, sans frais et sans intérêt. Et vous ne perdrez aucun bien. Roi Métivier Roberge, c'est
Vous me regardez de quel endroit? Moi, je suis dans la ville de Québec présentement. Vous rêvez d'un foyer au bois pour chauffer votre maison ou encore vous souhaitez créer une douce ambiance chaleureuse avec un foyer électrique. Vous trouverez le modèle parfait pour vous chez Matériaux Lavoie. Ils ont un vaste choix de poêles au bois et de foyers encastrables électriques. Tout pour passer un hiver confortable. New Earth et de Charlevoix. Aussi pour vous équiper. Un bel endroit, Charlevoix. Hein? Avec une toute nouvelle souffleuse. Matériaux Lavoie a beaucoup. Un très bel endroit. Pas trop loin de Québec. Vous avez un bon restaurant de smoked meat là-bas, comme on m'a déjà dit, là, à la Malbaie, il faudrait que j'aille essayer ça un moment donné. Bon. On va commander notre café. La team. Ah, le restaurant est fermé. Ah. Moi, ça fait quand même une couple d'années, 2-3 ans, que quelqu'un m'avait parlé en bien de ce restaurant-là. Lui, il partait de Saint-Anne-de-Beaupré, il allait manger là quand même régulièrement. Bonsoir, bonjour, ça va être un très grand 3-3. Un très grand 3-3? C'est tout. Parfait, merci à la fin. Ouais, ça, le smoked meat, moi, qui fait un peu de tout au barbecue, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Ça, puis le jerky, là, c'est des choses que j'ai pas faites encore. Je connais les méthodes pour le faire, mais j'en ai pas fait encore. Bon. Bonjour, 270. Yes. Sir. Debbie. T'es payé avec ta petite garde. T'es gratis. T'es gratis. Un pan and pie, s'il te plaît. Oui. On va te payer la différence. Hein. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Ah oui, les fermiers user, je ne sais pas s'ils ont fermé à cause de toutes leurs histoires de fermeture de restaurants pendant la COVID ou encore à cause de pénurie d'employés ou un mélange des deux ou pour autre raison. Mais côté restaurant, ça fait dur. Hein? Comme ici à Québec, il y a de nombreux restaurants, de nombreux Tim Hortons qui ferment à 1h l'après-midi. Il y en a qui ferment après le souper, la nuit, il en reste un quand il est ouvert. Hey, santé tout le monde! Bon, on va se diriger vers le travail. Pas le choix. Qu'est-ce qui est plate, c'est qu'à minuit, la paye va être déposée, puis rendu à la maison après le travail, ben j'ai des comptes à payer. Que voulez-vous? C'est pas grave. On va travailler, on va en faire d'autres, puis... Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui? Hey, j'écoutais, je faisais le tour des lives la nuit dernière. Je m'amusais là-dedans, j'allais parler à du monde, puis tout ça, puis je likais des vidéos, puis tout ça, puis je regardais un petit peu les lives, puis... J'ai parlé un petit peu avec du monde, puis je tombe sur un live un moment donné. La fille adore. Bon, on envoie plein de cadeaux. Mais il y en a plusieurs, ça c'est un concept américain. Mais 25 000 personnes en même temps qui regardaient son live. J'avais regardé, je pense, 58 000 cas de j'aime
c'est sûr que elle, si elle tient une cadence comme ça, que le travail pour elle, c'est terminé. La vie de TikTok maintenant, c'est à peu près évident, là. Ouais, mais c'est du monde pareil, là, pour regarder quelqu'un dormir. 25 cas de personnes. Hey, Eric Ouellet, comment ça va? Mon ami de Rimouski, mon fidèle compagnon de travail pendant toutes ces années-là. Hey, c'est combien d'années qu'on a fait ensemble, Eric, sur le taxi? On a fait quand même plusieurs. Moi, j'ai été dans l'univers du taxi pendant 14 ans. On a fait une couple d'années certaines ensemble. Yes, sir, toi ça roule? Ben oui, mon congé est fini, je recommence à travailler tout à l'heure 2016 à 2018. Mais on se connaissait avant, ben oui. Nous autres, là, on est le genre de personne, Eric, qui s'est toujours connu. On s'est toujours connu, nous autres, Eric. Puis j'étais supposé être ton homme au laboratoire, ouais, mais ça a fini assez vite. Mais, parlant de la moto, Eric, j'ai vu tes messages sur Messenger. J'ai pas répondu, ça aurait été trop long. Comme si on se ressemble. Non, on se ressemble pas partout, Eric, là. Pas mal plus beau que toi, hein? Non, c'est des jokes, ça, Eric, là. Je regardais tes messages sur Messenger, puis Tornador, moi, j'ai déjà eu le Tornador. J'avais acheté même... pour remplacer le tube, j'avais acheté l'autre tube avec la brosse. Hey, c'était merveilleux comme appareil. Puis j'avais aussi le snow gun qui produisait de la mousse pour laver les extérieurs de voiture et même les tissus à l'intérieur. Mais ça dépasse vraiment beaucoup de savon, le snow gun, mais les deux, c'est fait par Tornador. Puis c'est des appareils vraiment que j'ai aimé, le Tornador, je m'en servais tout le temps. Mais assure-toi d'avoir un bon compresseur. Soit un compresseur portatif double, ou encore, si t'en as un simple, ben avoir au minimum 10 gallons, parce que sinon, tu vas uniquement l'entendre tourner... C'est quand même assez énergivore sur un compresseur, un Tornador. Sauf que je t'encourage, ça vaut quand même assez cher comme appareil, mais ça fait vraiment la job. Ah ben oui, je suis rendu là et je me spot un compresseur Makita simple. Ouais, Makita, c'est quand même pas pire. Mais les Makita, il y en a aussi les tout petits avec les deux réservoirs. Ça c'est intuable comme machine. Mais ça se rentabilise après quelques lavages. Oui, c'est quand même plusieurs lavages parce qu'on s'entend que la marge de profit de la lavato, c'est vraiment avec les produits, là. Moi, tu te rappelles de mon garage, Eric? Il n'y avait pas un lavato à Rimouski qui avait le stock que j'ai, là.
Et je connais le nouveau proprio du magasin ProMobile qui était à Jean-Guy Corbin. Ah ouais? Ça a changé de propriétaire. C'est rendu qui à ce soir, Eric? Ah ouais, il y a des produits surprenants. Effectivement, chez Marcel, ça n'aurait pas été des deux frères du B. Ben, regarde, je serais peut-être encore là. Je serais peut-être encore en business. Puis, tu travaillerais peut-être pour moi, Eric. C'est ça, toute la méchanceté qu'ils avaient a fait en sorte que il m'est arrivé ce qui est arrivé. Il me semble, si sa mémoire, il s'appelait Sébastien. OK. Salut, Itrax, comment ça va? Comment ça va, les gens de la France? Comme d'habitude, tu scrolles. Ah, tu fais bien. J'ai fait ça une partie de la nuit, moi aussi, scroller sur TikTok. Ben oui, ça va bien, Itrax. Puis, ta semaine de congé, comment ça se passe? Ouais, c'est pas à cause de ton frère. Tu as quitté. Disons qu'il s'est rangé de leur bord, puis ça n'a pas aidé. C'est ça qui arrive, Eric, hein? Au Québec, là, t'as pas le droit de réussir. Un minute que tu réussis, ben, y a quelqu'un quelque part qui est là pour t'écraser. C'est ce qu'ils ont fait, puis ils ont réussi. Je m'ennuie un peu en ce moment, donc je scroll. Ben, tu fais bien. Tu fais bien de combler ton ennui par les réseaux sociaux. C'est ce que je fais quand même souvent. Même si je suis quelqu'un qui est quand même très occupé, qui travaille beaucoup, des moments d'ennui, j'en ai. Marcel, es-tu encore en contact avec lui? Je ne sais pas. Je me tiens pas vraiment au courant de ça, Eric. Tu vas live après? Ben là, je suis en live, puis après ça... pour toi, à ton heure, ça va être à 4 heures du matin que je vais être en live après mon travail ce soir. Bon, j'arrive pas loin de mon travail. Je vais m'arrêter sur le bon chemin. Je vais fumer une cigarette avec vous autres. Et après ça, ben, je mettrai fin au live parce que va falloir que j'aille me préparer pour le travail. Ouais, si tu dors, je vais comprendre. Malgré que, gars, hier soir, Denise, que tu connais, qui vient régulièrement dans les lives également, à son heure, il était 3 heures du matin, puis elle était dans mon live hier soir. Là, mais elle, le soir, elle écoute la télévision, puis... pour moi, à trouver des choses intéressantes parce que. Il était quand même à cet âge, je ne m'attendais pas de voir de français, puis finalement. Elle est venue. Attends un peu, Eric, là, j'ai le soleil d'en face. Puis il est plus fort que moi. Je vais me virer. On va mettre deux au soleil. On va en fumer une avec vous autres, puis après ça, ben. Ça sera la fin. Ça a l'air confortable. Ton new VUS. Ah, ben, pas si new que ça, Eric. Ça fait un an au mois d'août que je l'ai pareil. Non, je suis pas à pied. Déjà qu'au travail, je fais 17-18 000 pas par quart de travail. Quand j'ai la chance de pas être à pied, ben, je m'arrange pour ne pas l'être. Le plus dur, je pense, ça va être de me trouver un stationnement parce que ça a de l'air quand même assez plein, mais sinon, c'est pas grave, j'ai tout le temps des petits trucs. Hey, on est rendu 60 personnes. Hey, c'est pas pire, ça. Parce que moi, je suis... Tout à l'heure, j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison, tout de suite on était 40 personnes, ça n'a jamais bien baissé un petit peu dans le bout
de 30 personnes. Puis après ça, ben ça continue à monter. Puis pourtant, j'offre pas un contenu extraordinaire. OK, j'ai été chercher mon char, c'est Supertech. Tu parles de quel char déjà, Eric? Parce que t'en as quand même une collection, hein? On se le cache pas. Tu parles-tu de ton Chrysler? Avec un moteur Mitsubishi. Il marche bien, là. J'ai pas mal fini ma mécanique, là. OK. Il reste là. OK, mes ailes à faire et mon esthétique. OK. La décontamination compte pompe. Cire plus effet miroir. Ouais. La micro-nanologie, c'est quand même très impressionnant ce que ça peut faire comme bel effet sur un véhicule. Plus effet miroir à toffer. Yes. La style. Ben oui. Hey, t'as roulé combien de kilomètres à peu près avec ce char-là, Eric, depuis que tu l'as? Parce que je sais que t'as été des grands, grands bouts chaque année à pas le rouler parce que soit qu'il était en remisage hivernal, soit qu'il était en réparation. Étonne de Silver Wax, mais j'ai pas mis encore l'effet de tout. OK. $58,000, $64,000 kilos, OK, t'as roulé. T'as pas roulé beaucoup avec pareil, là. Ça a l'air, c'est la coche. Ben oui. Puis qu'est-ce que j'aime, moi, de Silver Wax? Dans le fond, c'est deux choses que j'aime d'eux autres depuis que j'ai découvert cette compagnie-là. D'abord, c'est une compagnie québécoise. Puis ici, on a quatre saisons. Puis c'est bien beau acheter de l'armorol pour mettre sur les pneus, là, du tire dressing, comme on appelle dans le métier. Mais quand c'est fait en Californie, puis fait été à l'année, ben c'est sûr qu'ici, par temps froid, c'est un produit qui ne t'offre pas, tandis que Silver Wax, eux autres, ils ont passé pour les quatre saisons. Puis aussi, comme en esthétique automobile, quand on travaille là-dedans à l'année, puis ça coûte énormément cher les produits, puis on peut pas travailler avec les formats des tireurs. Ça prend les formats, les gros formats, les formats WAP, puis ben c'est pas toutes les compagnies qu'on peut acheter ici. Puis ben souvent, si on commande des états, puis tout ça, c'est tous les problèmes aux douanes, puis c'est des produits chimiques, ben souvent que... c'est toujours compliqué, alors c'est pour ça que moi j'ai fait le choix d'aller avec Silver Wax. C'est des produits quand même qui ont répondu à mes besoins. Ça sera à faire avec la polisseuse Makita. Ça promet l'an prochain en esthétique si le budget est au rendez-vous, j'imagine, parce que t'as manqué d'espace pour écrire. Mais t'es peur. Merci Moussa d'avoir partagé le live. BT Performance utilise ça ou CarPro. Ils sont où, eux autres, BT Performance? Même Daniel Carole prend ça. Ben oui, Daniel. Daniel a fait tellement longtemps, je ne l'ai pas vu. Daniel, ses sœurs, pareil, Sylvie, Manon. Ah, tu savais que j'avais travaillé avec leur père, avec Jean-Marie, puis je connaissais bien sa femme également, là. Louiselle. Ben oui, auto de chaîne à Nazareth. Auto de chaîne à Nazareth, là, c'est pas pour les vanter, là, mais en esthétique automobile, là, c'est pas mal les meilleurs dans le coin, là. Eux autres font vraiment un travail sur la coche. Ça, je peux vous le garantir. OK, BT sont à Matane. Ah, c'est pour ça que je les connais pas. Ouais, moi, Matane, c'est plus les restaurants que je connais là-bas, là, que j'ai connu parce que avec toute cette histoire de pandémie-là, il y a beaucoup de restaurants qui ont changé de nom, qui ont fermé. C'est devenu d'autres choses.
ben, savoir où aller. Je savais pas, mais mon anti-rouille, je vois là-bas. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai toujours eu des très, très bons commentaires sur eux autres. Parce que sinon, Eric, si jamais tu veux faire nettoyer ton char, puis s'ils ont le temps, c'est Car Expert sur Léonidas. Ils font vraiment un très, très bel job, mais ils n'ont pas beaucoup de temps, malheureusement. Là. Mais si tu vas voir Roger là-bas, il devrait probablement t'organiser quelque chose. Mais ils sont tellement loadés. J'ai sauvé beaucoup mon 200 avec l'anti-rouille. Ben oui, mais un bon truc aussi, Eric, sauver un véhicule de la rouille, ben, c'est de le rouler. Le 21, c'est bon en tabarnak. Le 21, c'est quoi le 21, Eric? Le genre de steakhouse au centre de Chamatane. Ah, ben oui, le 21, j'y avais pas pensé, Eric, ben oui. Le restaurant, moyen du joueur de hockey des Nordiques, le moyen, comment il s'appelait, là? Lui, que son but, on n'a jamais su si... Alain Côté, c'est le restaurant d'Alain Côté, ça. Ben oui, c'est un bon petit restaurant, ça. Une petite taverne. Ben c'est ça, à l'un côté, c'était... Ben oui, à l'un côté, il est surtout dans la région de Québec, lui, parce que il y a plusieurs UAP Napa dans la région qui sont à lui, autant du côté de... Québec, du côté de Saint... C'est-tu Saint-Nicolas ou... en tout cas, dans le secteur Lévis, là, vers l'ouest de Lévis. Bon, je vais essayer de me trouver un stationnement maintenant. Il souhaite avoir une blonde, là. Ah ouais, Alain Côté va avoir une blonde. Pourtant, il ne devrait pas trop avoir de misère à en avoir. Connu comme qu'il est, puis il est en affaires, puis tout. Lit plus haut. Ouais, à l'un côté, tu vas t'avoir une blonde le 21. Bon, ben, plus haut, Eric, je ne sais pas où aller plus haut, là. Réécris-moi le texte, ça va être, je crois, plus facile. Bon, ben, on va stationner ici. Hey, c'est drôle, hein? On dirait que c'est plus facile d'avoir des stationnements quand c'est plein que quand c'est vide. Parce que quand c'est vide, les stationnements qui sont occupés sont tous proches de la porte. Tandis que là, j'en ai un pas loin de la porte. C'est lui qui veut une femme. OK. Hey, ben, tout le monde, moi, je mets fin au live. Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt. Pour les gens intéressés, ce soir, 23h du Québec, 5h heure de la France, je devrais être à nouveau en live. Alors, d'ici là, on se parle. À bientôt. Bye bye.